Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Avant de commencer, nous tenons tout de même à vous rappeler que ceci est une vidéo juste à titre informatif et non pour inciter les gens à la haine. Raison pour laquelle nous allons vous prier et vous demander de rester courtois dans les commentaires. Les ennuis du capitaine Moussada Diskamara persistent. L'ex-chef d'État ne s'est toujours pas remis de sa brûlure, dont la gravité n'a pas été encore précisée. Monsieur Camara est arrivé ce mardi 21 mars 2023 en bâtiment sans chaussures fermées. A constaté un journaliste du Réveil d'Afrique, c'est un homme visiblement souffrant qui est assis dans le box des accusés. L'ex-homme fort de Conakry est incarcéré depuis le 27 septembre 2022 à la maison centrale de Conakry. Selon nos informations, il s'est fait embouillanter alors qu'il prenait une douche depuis son lieu de détention. À cause de cette brûlure, il s'est absenté pendant un mois au tribunal criminel d'Indixtim où les auteurs présumés du massacre du 28 septembre sont jugés. Eh bien les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez toujours abonnés, restez à la chaîne, partagez avec vos amis, amis, famille, reconnaissance si vous la trouvez notamment intéressante. À très bientôt pour un nouveau bulletin d'information. D'ici là, portez-vous très bien.